Lisa necessary. Bonjour à tous et merci. Nous sommes vendredi et on espère pouvoir bien terminer. Voilà, le numéro du jour et partir en week-end en votre compagnie. Bonjour la famille, comment vous allez? Bonjour. Bonjour maman Aïcha. Bonjour maman Aïcha. Oui. C'est quoi tu as tourné? C'est une idée qui m'a corrigé en vain. Ah d'accord, ok. Vous allez bien? Ça va bien. Ça va maman, ça va bah, bien. Écoutez, même les Ivoiriens s'étonnent entre eux. Hein. Ils s'étonnent de l'Harmattan en mi-janvier. Ouais. Mais quand même, je crois que c'est l'Harmattan qui est sorti là qui a permis la belle victoire face à l'Algérie. Là où on est, comme quoi... Non mais c'est plus que telenovelas quoi. C'est croquant. C'est copieux. Ah ben la belle victoire est très belle. La très belle. Très très belle victoire. Très très belle victoire. Que... Franchement, non mais. Et puis, non, c'était un beau match. Non mais sérieusement. Le score, il y a eu le beau jeu. Oui, il y a eu du beau jeu, franchement. Un jeu très beau. Non, parce qu'il y avait eu deux matchs hier. Hier, moi aussi, j'ai suivi un match au moins. Oui, il y a eu la Gambie, okay, je crois. La Gambie. La Gambie. Moi, j'ai la Gambie. J'étais perdu dans les matchs. Tout le monde était... On parle de la même chose. Parce que bon, dans un match, il y a toujours des pénalties, en fait, c'est pourquoi. Mais c'est vrai que... Oui, on vit de beaux moments. On vit de beaux moments, de très beaux moments. On en parlera, je l'espère, n'est-ce pas, monsieur sportif? Bien sûr, on fera le point de la première phase, de la phase de groupe et tout ce que ça a donné, puisque... C'est la pause là depuis hier, donc on va en parler aujourd'hui, si tout va bien. Bonjour Elias. Bonjour maman, je vais super bien, comme tu l'as si bien dit en introduction. On passe de très bons moments de télé avec la Côte d'Afrique des Nations, mais pas que, hein, tout ce que la TVT nous offre comme programme et tout. J'espère que vous allez bien, chers amis, chez vous à la maison. Nous, on est là, on pose un Saint-Nectar, soyez là jusqu'à la fin. C'est mon bonjour. Super, c'est son bonjour. Alors bonjour Fafa, la chargée de communication. Mais il dit que tu n'es plus au courant. Ouais, je pense tu veux la que je veux la limoger. Limoger. Parce que limoger, c'est. Parce que au fait. C'est quoi la cause? Tu comprends le sens de limoger? J'explique-nous limoger parce que là. C'est parce que tu as fait un tour à Limoges. Exactement, ceux qui vivent à Limoges souvent. Ce sont des limogeurs. Ah. C'est grave. Je vais la licencier, c'est ça. Licencier, c'est d'avoir été embauché. Bref, en tout cas, il faut comprendre c'est que... C'est autoproclamé, en fait. Donc, c'est pas, c'est pas toi qui l'as recruté. Voilà, je ne l'ai pas recruté. Okay. Il n'y a pas eu appel à dossier. Voilà. C'est ça. Mais... Il fallait nous expliquer. Ah. T'inquiète pas, c'est... Voilà.
C'est le Seigneur qui me sauve. De quoi? De toi. Bon, chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est vendredi. Le week-end, ça se sent avec la menton qui devient assez dur. Et moi, mon message ce matin, c'est que si vous avez une passion et que vous n'avez plus pris le temps de le faire, au moins essayez de prendre une heure de temps de le faire ce week-end. Si vous aimez danser ou si vous aimez chanter, même si, si vous aimez manger, trop, ah ouais, si vous aimez manger et vous filmer en mangeant, ouais, si vous le faire, prenez le temps de le faire au moins ce week-end. Au moins si c'est une heure, deux heures de temps, allez à la piscine, tout ce que vous voulez. Et là, s'il adore plaisir. Se faire masser, donc Sandy, bonjour. Il va venir. Allez à la piscine, c'est une passion. Nager, bien sûr. Oui, c'est une passion. Aller à la piscine, nager, on peut aller. Jouer au basket, c'est une passion aussi. Quel marigot. Donc, il n'y a pas de crocodile qui... Est-ce qu'on a des marigots? On n'a pas de... On a les... Non. Il y a ton bateau. Ton bateau, fia. D'accord. Tu vas, tu sautes dedans, ce sont des possibilités. Tu sautes dedans. Alors, bonjour Sandy. Bonjour Aïcha. Bonjour le jardin de Nectar. Bonjour Navi Sandy. Pétillon de... Je t'assure. Merci. Bonjour chez vous à la maison. Je vais très bien. Aujourd'hui c'est vendredi, mais comme nous allons continuer par parler de désordre et de l'ordre, j'aimerais déjà faire un petit coucou à tous ces parents, de prendre le temps d'aller fouiller un peu dans les armoires, les affaires des enfants. Oui. Il faut le faire. Oui. Il faut le faire. Juste parce que parfois, tu as le tout petit enfant ou la petite fille qui a cumulé des slips dans ses affaires propres. Mais le fait que le parent n'a pas assez de temps pour aller vérifier, ce sont ces slips sales-là qu'elle cumule, qu'elle mélange avec les slips propres. Au fait, c'est un petit point de vue. C'est très important. Encore une fois, on va s'intéresser toujours à la gente féminine ou pas? À la gente féminine. Toujours à la gente féminine. D'accord, on en parlera et on aura aujourd'hui le concours du psychologue justement qui va expliquer un peu si ce sont des faits qui sont involontaires ou pas. Coucou. Coucou maman. Il y en a qui se tirent la langue là. Je ne sais pas pourquoi, c'est mes farceurs qui se tirent la langue. En tout cas, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. C'est vendredi, c'est la veille du week-end, on aura deux jours de pause, c'est vrai, pas pour tout le monde. Mais pendant deux jours, il peut se passer beaucoup de choses. Et l'armatan est là, c'est le moment d'être en mode cocooning avec son thé à la main. Avec son chocolat chaud, être sous son édredon et tout, oh là là. En mode cocooning. En tout cas, Nectar est dans la place et vous allez passer un bon moment, apprendre beaucoup de choses également. Et moi, vraiment, ce sujet de chambre en désordre, ça m'intéresse et j'espère qu'on pourra suivre avec attention tout ce que Navi Sandy et le psy vont dire par rapport à ça. En tout cas, soyez calés, soyez là, soyez dans la place comme nous, Nectar est dans la place. Faites du bruit pour Nectar. Ça, mais j'ai pas compris ça. J'attendais la fin parce que là c'était trop aigu. Il fallait mettre de la basse. Bon, de toute façon, on va pas tergiverser. On se dit qu'il fait frais et qu'il faut vraiment qu'on se donne beaucoup de chaleur. Donc aujourd'hui, on va danser. On va danser pour relâcher le stress, pour relâcher la colère, pour relâcher les soucis, pour dire merci à Dieu. On va danser et surtout vous allez apprécier la toute nouvelle chorégraphie d'Elias. Quand il en a une. Hier, Naïda a fredonné une chanson. Beaucoup ont demandé quel était le titre et l'auteur de la chanson. Eh bien, on s'est fait le plaisir aujourd'hui de vous proposer cette chanson-là. Beaucoup qui sont sur TikTok, en tout cas, reconnaîtront quand même le refrain. Il s'agit tout simplement de Anne Kepps, m'a-t-on dit. Sous-titrage Société Radio-Canada.
ce matin pour vous chauffer, Anne Kepps. M'a-t-on dit pour dire merci à Dieu, merci, le souffle de vie, et nous ne cessons jamais de le dire sur ce plateau. Pour parler de rêve, parler d'ambition, je suis une personne ci, je suis une personne ça, je suis gentille, je suis méchante, je suis hautaine, je suis arrogante, je suis résiliente, tout ça, c'est juste parce que nous avons le souffle de vie. Pour dire je suis ici ou je suis ça, quoi qui tout tourne autour de ça. Donc du coup ce matin nous disons merci infiniment à notre belle réalisation et puis surtout à Anne Kepps qui nous offre cette magnifique chanson qui a permis de voir Roga Roga Elias. Fait, vous en témoignerez sur TikTok. Si, voilà, retrouvez ce Mefa sur TikTok. Et vous allez donc admirer monsieur Roga Roga. Ouais. C'est toi même qui l'a dit tout à l'heure, non? Non, je parle du passé, vous savez, extra musical. Parce que avant, on écoutait beaucoup de la musique congolaise. Et puis voilà. Jusqu'à ce que tu les limanges toute ta vie. Ah, non, c'est pas ça. Ah bon, d'accord. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Les limoges. Tu les as pas limogés? Non. Ok, d'accord. Donc, je suis fière de ces limogés à bonheur. Alors, en tout cas, nous avons ce matin le plaisir. Elias, il est totalement déluré quand son père est dans la place. Et j'ai appris que son père étant, donc, bon, on va pas le dire, mais en tout cas, il est en dessous de. Voilà, certaines personnes. Ah, oh, bon. Bonjour, papa Claude. Ben c'est vrai qu'entre les Wawa et bon, en tout cas, pour tous les mots là qui nous suivent, pour tous les thèmes, vous savez que les Wawa, bon ben voilà quoi. On a un Wawa chez nous. Bonjour. Vous allez bien? Il va bien. Votre regard de fils? Il va aussi bien. Il va aussi bien. Il a bien dansé? Toujours, papa. Merci. Merci, papa. D'accord. Il n'y a pas de souci. Nous avons également le plaisir d'être avec mon oncle, que vous aurez le plaisir de voir d'ici la fin de l'émission. Et vous avez aussi le plaisir d'être avec le seul et unique, le posé des posés. Ah ouais. Voilà. On parle de monsieur Simon. Elsie. Simone. Elle Simone. Monsieur Simon qui est également avec nous et à la réalisation, nous sommes avec notre magnifique Melka, si je ne me trompe pas, et tout le reste de l'équipe également, Monsieur Fouyem et tout le reste de l'équipe qu'on salue. Et avant que nous ne passions à la prochaine rubrique, rapidement, permettez-moi de vous lire ce message. Bonjour à vous. Bonjour. J'ai une copine, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. L'année passée, en 2021, elle est partie en vacances chez sa mère. Au retour, je constate qu'elle est enceinte. Je lui demande qui t'a engrossée. Elle pleure en me disant que c'est un étudiant qui l'a enceintée et après, elle va avorter. Elle s'en va avorter et un mois après, me dit qu'elle ne fait pas... voilà quoi. Qu'elle n'a pas ses règles, ses menstruations. S'il vous plaît, aidez-moi. Bah, tout le monde se tait. C'est compliqué. Bah voilà. Bah oui. Donc voilà, et puis. On a beaucoup parlé avec maman Ida, que vous retrouverez d'ailleurs à compter de la semaine prochaine. Le fait qu'elle soit allée avorter, si c'est pas une bonne chose, mais si cela s'est passé sans aucun embâge et que vous avez des relations avec elle, ne soyez pas étonnés. Bon, maintenant, si elle n'est pas allée avorter, et que vous, parce que le message sous-entend que vous avez l'impression que c'est toujours l'ancienne grossesse qu'elle essaie de vous ramener, amenez-la et allez directement vers un professionnel de la chose, chez un gynécologue qui pourra donc dire qu'elle est à 2 mois, à 3 mois, à 4 mois et ainsi de suite. C'est la seule chose que vous puissiez faire. Mais je crois que ça serait un peu méchant quand même de faire des choses aussi rocambolesques et d'essayer de vous mettre la grossesse sur le dos. Bon, on ne sait jamais. Bonjour Nectar. Bonjour. Je vous suis depuis le Cameroun. L'émission est assez instructive, surtout avec les interventions de Navi Sandi, nous apprenons beaucoup. Cependant, lors de ces prises de parole, vous riez beaucoup. Elle dit des vérités qui nous aident et parfois trop d'explosions de rire l'étouffent et nous empêchent d'écouter. Merci pour la remarque. Soyez de grâce plus posés sur le plateau. Évitez de nous permettre de pouvoir l'écouter. Ok, merci beaucoup Madame Clémentine. Merci. Bonne émission à vous. Merci. Bonjour. Bonjour. Je vous adore bien danser. Pourquoi Tata Sandy n'a pas dansé?
Est-ce que tu t'es fière? Ah wow, de coucou. Et je ne veux pas vous la rubrique. Non, je vous en prie. Elle danse comme... Ah, elle danse. Elle danse. Comme Michael Jackson. En fait, je suis désolée, souvent il y a des téléspectateurs qui écrivent et qui disent que Félix ressemble à Inos B. C'est vrai. Et il y a Inos B qui dit que son idole à mort et celui à qui il rêve de ressembler pour lui est une idole, même un dieu comme il l'a appelé, Michael. C'est Michael Jackson. Yeah. Donc quand tu as dit ça, j'ai peur, je veux demander à Fefe qui est son idole. Non mais Navisson dit elle danse comme Michael Jackson. Alors bonjour le plateau, comment vous allez? Super bien. Félicitations aux danseurs, félicitations à Elias pour la démonstration. Mm-hmm. Merci pour vos belles émissions, passez une très bonne journée. Carmen Lambeau depuis Ouagadougou. Donc Elias a fait démonstration. Bonjour Neta, j'aimerais voir Elias danser, bravo à vous tous. Et précisément à Elias qui a bien dansé, c'est Jules depuis Enfamé. Merci beaucoup. Bonjour à vous. C'est Raphaël depuis Bassar, j'adore mon cousin Elias, il danse bien, big up à lui. Bonjour le plateau. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Pour répondre à la télé... Au téléspectateur. Sachez tout simplement que nous vous suivons parce que, au lieu de nous endormir le matin, vous nous donnez de la joie. Laissez libre cours à votre folie en sachant que vous êtes toujours assez posé avec la maman qui s'est ramenée. Bon. Merci beaucoup, merci infiniment. Il n'y a pas polémique. Hein. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis de tout cœur avec vous. C'est Zimagli à Sylvain depuis Cotonou. Merci infiniment. Bonjour famille Nectar G7, excellent bonjour, début de week-end. Bonjour Monsieur Moula, merci. Alors bonjour Aïcha, Naïda, Elias, Félix, Semefa, Sandra, Oncle Bachana, Victor. J'ai fait l'exercice, mes deux enfants disent qu'il n'y a rien. Et ma femme dit que je suis une bonne personne et qu'elle ne me mérite pas. Mon absence serait fatale. La preuve, un an de séparation pour raison de santé lui a été insupportable. Monsieur Paul Wonto depuis Guinée équatoriale. Merci. Qui sont ceux qui ont fait leurs exercices? On le verra aujourd'hui. Bonjour, tous les encouragements à vous. C'est Amissou depuis Niamey. Bonjour. Et bonjour à vous tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous aime fort et je vous embrasse tous. Votre joie de vivre nous fait vivre. Sachez que l'année 2021, j'étais en totale dépression. Et grâce à vous, en vous suivant à chaque fois, en regardant Semefa danser, Naïda avec son rire et Elias qui est hors pair, j'ai commencé par avoir la drogue de Nectar et à être dans la joie tous les jours. Alors je vous en prie, faites tout pour garder votre joie. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, ben, il y en a beaucoup, hein, mais qui sont ceux qui ont fait leurs exercices? Le psychologue est là. Hein. Abraham l'a fait? Tu l'as fait? On va te donner le micro, tu vas nous dire ce que les gens ont dit. Hein. Moi? Bien. En tout cas... J'étais occupée à prendre ma tour. Tu étais occupée à faire quoi? Naïda? Oui, maman. Tu étais occupée à faire... Je rangeais ma chambre. Eh bien, avec le psychologue Saf, on va parler non seulement de l'exercice qu'il a donné la fois dernière, mais d'un sujet qui a découlé du sujet que nous traitons depuis quelques semaines avec lui, dû à la question d'un téléspectateur. Nous allons parler aujourd'hui des relations parents-enfants. Tout ce qui peut en découler et comment est-ce qu'on peut gérer cela, nous en parlerons tout à l'heure avec le psy Saf qui est déjà là et ce sera juste après le jingle. Les exercices ont été faits et non mais monsieur ça fait là donc il va pouvoir Abraham va nous donner son apport. Sandy, tu vas nous aider avec le micro s'il te plaît. Ensuite on va passer à Bachana.
Alors, l'exercice, je tiens à le rappeler, c'était demander à vos proches ce qu'ils pensent de vous, vos qualités. Et la deuxième question était, quel serait le poids ou la conséquence de votre absence dans la vie de ces proches ou de ce proche-là que vous aimez bien également et qui dit ou prétend vous aimer en retour. Abraham, mon bébé, a fait son exercice. Nous t'écoutons. Bonjour Abraham. Je vous faisais cela depuis. Ah. C'est hier que j'ai encore fait. Mes amis m'ont dit que moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas que de problème. Je suis calme, étant donné que je suis timide, ça. Et si moi, on ne me voit pas, ils ne sont pas contents, quoi. Oh, écoute, tu sais, comme ta maman, que je te vois pas, ben, je suis pas contente non plus. Hein. Voilà, les renégats qui sont sur le plateau avec moi, là. Voilà. Toi, tu dis quoi? Tu veux dire, Sandy, s'il te plaît. Merci beaucoup, Abraham. Passe le micro à Bachana. Bachana, bonjour. Bonjour Aïcha. Comment ça va? Et bonjour le plateau. Bonjour. Je vais bien. Bonjour. Pour l'exercice, moi, on m'a dit qu'on n'arrive pas à me maîtriser. C'est une femme qui a dit. Parce que dans le malheur, comme dans le bonheur, je souris toujours. Et moi-même, je reconnais ça. Quel que soit le problème, j'ai le sourire. Positive attitude. Et c'est ça qui fait que je n'ai pas une tension qui monte. Je sais gérer ma santé aussi. Mmh. Dieu merci. D'accord. Merci beaucoup. Sandy, tu nous rejoins. Si ça fait bonne arrivée. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Naïda a dit que c'est la semaine des bazins riches. Mmh. Bon bazin. Ah oui. Ah oui. On vous laisse dire bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Bonjour surtout à ceux de la diaspora. Mmh. Voilà. Alors, nous allons parler de l'exercice de la fois dernière. On a eu deux exemples. J'aimerais voir comment est-ce que vous décryptez les exemples qu'on a eus. Et ensuite, on va poursuivre avec le thème du jour. D'accord. La première personne avait dit c'est un exercice qu'il faisait depuis. Ce que j'aurais souhaité, c'est de voir est-ce que quelque chose a changé dans les réponses qu'on lui donnait avant. Est-ce qu'il y a eu une variation de réponse dans le temps? Ok. S'il y a une variation de réponse dans le temps, ça veut dire que lui-même, il a changé. Ou soit la façon dont on le perçoit a changé chez les autres. Maintenant, c'est à lui de voir est-ce que la variation est positive ou la variation est négative. Et c'est en fonction de cette variation, il verra la perception que les autres ont de vous. Au fait, le fait de poser ces questions à ses amis vous permet d'avoir une idée sur comment eux ils vous perçoivent. Mm-hmm. Au fait, c'est l'image que vous renvoyez qui leur permet de voir comment eux ils pensent, ce qu'ils pensent de vous en réalité. Et ce que les autres pensent de vous est capital dans la relation que vous avez avec eux. C'est ça. Si cette personne pense que dans les moments les plus compliqués, vous êtes toujours souriant, il a une façon d'agir avec vous. Je retourne un peu à la deuxième. Voilà. C'est-à-dire que dans les moments les plus difficiles, que ce soit dans les moments les plus heureux, vous souriez toujours. Les gens qui vous perçoivent comme ça ont une attitude vis-à-vis de vous. C'est-à-dire quoi? Celui qui peut extérioriser ces moments difficiles peut se retenir. Vous voulez reprendre la phrase, s'il voilà. Vous plaît. Voilà. C'est-à-dire que comme il a dit, on ne le cerne pas. Il est difficile à cerner parce qu'on ne sait pas quand il est joyeux, quand il ne l'est pas. À tout moment, il est souriant. Donc je dis,
dans la relation avec les autres, vous allez voir que ceux qui n'arrivent pas à se gérer lorsqu'il y a une situation difficile auront tendance à se replier lorsqu'ils sont en difficulté. En face de lui. Voilà. Okay. Parce que lui n'est pas dans cette posture d'être peut-être triste ou peut-être de vivre ce moment de tristesse avec eux. Ça peut faire qu'à un moment donné, quelqu'un qui traverse une situation difficile peut être replié. Momentanément, quoi. Le temps que ça lui passe, il va revenir dans votre ambiance. Parce que vous, vous n'arrivez pas à extérioriser ça. C'est la perception que l'autre a de lui, ça. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas que c'est mauvais. Voilà. Donc, j'ai donné l'exercice là parce que nous avons autour de nous des amis. Nous nous disons des amis en réalité, mm-hmm. mais on ne les connaît pas. Ils ne nous connaissent pas en réalité. Mm-hmm. Celui qui arrive à vous décrire et de la meilleure façon, ça veut dire que c'est lui qui vous observe. Vous voyez ? C'est comme on dit, écouter et comprendre. Vous voyez ? Donc celui qui vous décrit le mieux, fidèlement, c'est lui qui vous connaît le plus, c'est lui qui vous perçoit le mieux. Maintenant, il peut arriver que certains vous décrivent sous un angle que vous pensez que vous ne l'êtes pas. Donc, prenez cette description, tout ce que les gens ont décrit chez vous, faites un retour contrôle, c'est-à-dire, il faut s'auto-questionner sur chaque point que ces personnes vous ont donné. J'ai écouté un téléspectateur qui disait que ses enfants lui ont dit qu'il n'a pas de problème et tout. Je suis d'accord, mais il n'a qu'à retourner sur les détails de tout ce que ses enfants ont dit. Parce que parfois, par peur, l'enfant peut ne pas dire ce qu'il pense de toi. Sous d'autres angles, dans d'autres dimensions, il peut reposer la question. C'est ce qu'on appelle la relance. En psychologie, je peux relancer la question autrement et avoir d'autres réponses. Voilà. Donc, prenez positivement chaque description que les gens ont fait de vous et prenez le temps d'analyser chaque description pour voir en quoi ces descriptions sont réellement ce que vous êtes. Alors, c'est ce que je peux dire par rapport à ces questions. Alors, si... Bon, si par exemple on a l'habitude de dire qu'on ne se connaît pas souvent totalement soi-même, des fois il nous arrive d'être devant une situation et de réagir d'une manière, oui. nous sommes nous-mêmes étonnés oui. de la réaction que nous avons eue. Quand quelqu'un nous décrit en fait et que, comme vous le dites, essayons d'aller faire les recoupements pour voir si effectivement nous sommes ce genre de personnes ou pas, est-ce que ce n'est pas, il n'y a pas un porte-à-faux là-bas? Parce que Naïda peut ne pas même connaître cet aspect de moi. Oui. Et Naïda va me dire, écoute, maman Isha, tu es comme ceci, tu es comme ceci, tu es comme cela. Oui. Et moi, je suis totalement, non, je ne suis pas comme ça, parce que je pense ne pas être comme ça, alors qu'elle, elle me perçoit comme ça. Oui, c'est ce que je disais, que nous ne nous connaissons pas assez. Moi, je renvoie une image à une personne qui a des interprétations sur ce que je lui renvoie. Et c'est en fonction de ses interprétations, il se dit, il me connaît. Voilà. Moi-même, je ne me connais pas assez. Parce que dans des situations, je ne sais pas comment je vais réagir. Il y a des situations, je ne sais pas comment je pourrais réagir. C'est en cela qu'on dit, je ne me connais pas assez. Maintenant, l'image que je renvoie à l'autre, est-ce que véritablement ce qu'il pense, est ce que je souhaite lui transmettre comme message? Est-ce que la façon dont je parle, est-ce que c'est ce que je suis? Parce que je peux avoir une façon de parler qui peut renvoyer à des perceptions. Mais est-ce que c'est comme ça que je suis en réalité? Il y a des gens qui ont dans leur façon de parler, on trouve la plaisanterie, on trouve des agitations, mais... Est-ce que c'est de cette façon que cette personne est organisée? Non, mais il nous renvoie cette image.
Vous voyez, on a l'exemple vivant. Exactement. Quand par exemple je prends par exemple dans la connotation sociale, je prends par exemple certaines personnes que vous voyez faire le tatouage, avoir certaines façons de se coiffer et autres, on a d'emblée une perception. Vous voyez? Et du coup, ce que la personne vit miroite n'est pas forcément ce qu'il est, quoi. C'est-à-dire que quand vous prenez cette perception et que vous vous dites déjà qu'il est ceci, vous avez faussé tout. Vous voyez? En temps, j'étais en face d'un patient et je faisais un exercice avec le patient et je lui dis tout de suite, parce qu'il est rentré et on a dit c'est moi qui devais le suivre, comme j'ai pas la forme, j'ai pas la taille, j'étais pas grand. Donc il se dit c'est pas en réalité c'est pas vous. Et j'ai compris parfaitement parce qu'il a une perception de la personne qui devait le recevoir. Et donc, il est en face de quelqu'un dont l'image qu'il avait n'était pas vraiment ça. Donc, c'est une déception pour lui. Donc, il faudrait le mettre en confiance pour qu'il comprenne que véritablement c'était moi. Donc, c'est sur la logique, je lui disais que quand vous allez en consultation, vous avez un rasta. Un rasta qui est en blouse. Et quelqu'un qui n'est pas rasta, qui est en blouse, quand on vous dit de choisir celui qui va vous consulter, et automatiquement, vous allez dire c'est celui qui n'est pas en blouse, celui qui n'est pas rasta. C'est parce que vous dites, la connotation, c'est qu'un rasta, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On a des préjugés. C'est au fait ça. Mais il se peut que c'est ce rasta-là qui est le meilleur des médecins qui va vous traiter. Vous voyez un peu la perception qu'on a des choses. Donc, c'est pour vous dire que c'est quand vous donnez ces exercices à vos amis que vous avez le retour de ce qu'ils perçoivent de vous. Et c'est ça qui vous permet de véritablement les connaître. Vous voyez? Parce qu'on fait des choix, on ne sait pas c'est pourquoi on les choisit. C'est ça qui nous permet, nous, de connaître nos amis ou bien de évidemment, nous connaître. Et vous connaître, vous. Parce que l'image que vous renvoyez aux autres, vous n'avez aucune idée. Mais comment ça, cela nous permet de les connaître? J'aimerais savoir quelque chose. Est-ce que ça veut dire que si je demande à quelqu'un comment tu me perçois, la personne te dit tu t'habilles bien, tu te maquilles bien, alors qu'une autre personne te dit tu as beaucoup de profondeur, tu vois en fait à quoi s'accroche telle personne oui, par rapport à toi. Oui, exactement. C'est ça, la connaissance que vous avez de pourquoi il est en relation avec vous en réalité. Ça veut dire que si demain, voilà, si oui, demain vous ne vous habillez plus bien. Voilà. Si demain vous n'avez plus assez d'argent pour être stylé, est-ce qu'il serait toujours là? C'est des trucs qu'il faut véritablement connaître. C'est pour ça que je vous dis, les gens vont vous parler des banalités, des choses qui en réalité ne devaient pas permettre à quelqu'un de s'attacher à vous. Mais c'est ça qui fait que lui, il est à côté de vous, quoi. Donc le jour, comprenez que le jour que ses qualités ou bien ce qu'il perçoit n'est plus là, il y aura un retrait. Mais il n'y a pas d'amitié sans intérêt, n'est-ce pas? Il n'y a pas de relation sans intérêt. Au tout début de nos vies, il y a des relations sans intérêt. Au tout début de nos vies, où on ne connaissait rien, on était encore... voilà. Mais dès qu'on commence par... si c'est des relations amoureuses, comme on le dit, les premiers gourmets nous permettent d'avoir les garde-fours et puis on n'aime plus. En tant que psychologue, vous voulez nous expliquer gourmets, un terme plus... Les chagrins, quoi. Les chagrins, voilà, d'amour chagrin, nous permettent... Ah bah ouais. Nous permettent de dire... Vous dites que M. Safmen, il a gourmet, malgré qu'il se psychanalyse. Voilà. Les premiers gourmets nous permettent d'être sur nos garde-fours et... On aime, mais avec des précautions. Voilà. Sinon, on tombe véritablement une seule fois amoureux dans sa vie et c'est les premiers amours qu'on a dans nos vies. C'est fini. En dehors de ça, le reste, c'est des intérêts, c'est des attachements basés sur des intérêts. Mais et non. La sécurité et le confort. C'est non. Trois choses. Les intérêts, la sécurité et le confort. Quand vous n'avez pas dans ça dans une relation, ça ne marchera pas. Parce que quand on était au collège et on avait nos premiers amours, on aimait parce qu'il faut aimer. Il n'y avait pas d'intérêt. Il n'y avait rien même tout le monde, qui... Hein. C'est pour tout le monde. Amen. Oui, c'est pour tout le monde. Parce qu'on aimait les gens sans savoir pourquoi on les aimait.
les gens n'avaient rien du tout. Ça c'est old school. Avant. C'est ce que j'ai dit. On faisait pas la. Non, même de nos jours, Monsieur Sab, de nos jours, vous avez aujourd'hui des adolescentes qui elles calculent très bien avec qui elles veulent. Non. Ça c'est des choses. Quand arrivé, ce que je voudrais dire. Même si la personne aujourd'hui, en tant qu'ado, a des visions sur tout ce qui peut être matériel et tout, ces personnes ont toujours des amours dans leur vie. C'est-à-dire les vrais amours, quoi. Des personnes qu'on a aimées sans savoir pourquoi on les aime, il n'y avait pas d'intérêt pour aimer. C'est des personnes qui nous plaisaient comme ça. Maintenant, d'accord, une fois qu'on a subi une première déception, on le dit dans notre langue, si vous avez été une fois mordu par le serpent, vous craignez le ver de terre. Tu vois un ver de terre. Voilà, les lombriques vous feront peur. Donc chaque fois que vous voulez rentrer dans une relation humaine, et on prend les garde-fous, on se dit voilà, c'est des intérêts. Maintenant, lorsque vous avez la sécurité auprès de la personne, vous avez un peu de confort, vous avez ces intérêts qui sont en jeu. Vous restez. Lorsqu'il n'y en a plus, vous partez. D'accord. Voilà. Alors, c'était le décryptage. On avait l'exercice pour la semaine, depuis le début de semaine. On a eu le décryptage aujourd'hui. On a quand même pris assez de temps dessus. Donc, on va grignoter encore quelques minutes pour entamer le sujet du jour. En fait, hier, dans la rubrique NEC Santé, nous avions reçu le docteur Pamela Lavo qui, en combined administration avec SEMIFA, avait parlé d'un thème qui était le syndrome de l'infirmière. Oui. Alors, il y avait plusieurs téléspectateurs qui avaient réagi et avaient demandé à ce que, en tant que psychologue, vous soyez là, vu qu'on se dit que c'est beaucoup plus quelque chose. On a appris hier que c'était je ne sais pas si c'est une maladie, enfin, c'est issu d'un trouble qui serait produit dans l'enfance. Donc, le docteur Pamela disait que les femmes ou les personnes qui en souffrent, ce sont soit des personnes qui ont manqué de l'amour, de l'amour parental, ou qui ont eu trop d'amour parental. Ouais. Et plusieurs ont demandé, mais quelle est la meilleure manière d'aimer son enfant? Quelqu'un comme moi, par exemple, qui refuse que mon fils Félix se marie parce que je l'aime trop, je veux qu'il reste avec moi, parce que je veux que mon fils Félix reste avec moi pour toujours, qui reste mon bébé, je ne veux pas le voir. Est-ce qu'il y a un cordon là-bas? Et est-ce que ça, c'est... Voilà. Donc, on peut comprendre, en fait, en quelques mots, hein, parce que nous avons quand même pris assez de temps par rapport au décryptage. Parents, enfants, comment est-ce que nous devons aimer nos enfants? Ou comment nous devons les... Enfin... D'accord. Merci, j'ai compris un peu la question. Ça a été toujours sujet à débattre dans nos recherches. La relation parent-enfant, c'est le parent suffisamment bon. Pardon ? Le parent suffisamment bon. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que c'est un parent qui donne à l'enfant, au moment opportun, ce qu'il faut pour l'enfant. Je m'explique. Vous avez un enfant à bas âge, déjà la relation parent-enfant commence au premier jour du fœtus, dans le ventre. C'est-à-dire les premiers instants ou bien les premiers instants de la grossesse déjà, la relation mère-enfant commence. Voilà. Et tout commence par là. Cette grossesse a une histoire. Vous voyez, chaque grossesse a une histoire. Chaque fœtus a une histoire. Je suis le fruit d'une histoire. Mm-hmm. Et chacun ainsi de suite. Mm. Alors, quelle est votre histoire? Quelle est l'histoire de votre fœtus? Quand est-ce que vos parents se sont rencontrés? Et la relation a débuté comment? C'est de tout ça là va découler l'amour qu'on va vous donner. C'est comme ça se passe. Si vous êtes une grossesse désirée, vous avez un type d'amour qu'on vous donne. Si vous êtes une grossesse désirée ou recherchée, vous avez un type d'amour qu'on vous donne. Si vous êtes une grossesse non désirée,
mais quand même qui a survécu, vous avez un type d'amour. Voilà un peu ce que je peux décrire de la relation. Donc, on peut avoir un couple heureux, qui s'est marié, comme tout ce qu'on comprend, mais qui peut-être la relation n'a pas eu la chance d'avoir un enfant. Donc cet enfant, à un moment donné, a été recherché. Et quand on dit recherché, ça dit qu'il y a les voies de recherche. Ça peut être médical, ça peut être spirituel. Vous voyez, ça peut être l'adoption, ça dépend. Donc, c'est une grossesse qui a été recherchée. Et maintenant, le coût même de la recherche, combien ses parents ont dépensé pour avoir cette grossesse, va dépendre de cet amour. Parce que, vous comprenez? Donc, je donne tout. C'est-à-dire, je suis prêt à tout donner. Je vais jusqu'à la surprotection de cet enfant. La surprotection? Oui. Là, on n'est plus dans le suffisamment bon. Non. Voilà. C'est-à-dire, quand je parle de suffisamment bon, je veux décrire les différents panels avant d'arriver à l'amour qu'on donne à l'enfant. Alors, si je suis en couple et que la grossesse est désirée, c'est-à-dire qu'il y a un consentement des deux qui donne cet enfant, il y a un amour qu'on accorde à cette grossesse. Si nous sommes en couple et que moi, je n'ai pas désiré cette grossesse à un moment donné, mais l'autre a désiré, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement qui va naître à partir de l'arrivée de cette grossesse. Si je suis le premier enfant, d'habitude, les premiers enfants sont des enfants en problème, et les derniers aussi. Les premiers enfants sont des enfants. Les aînés sont des enfants à problème. Oui. Excusez-moi. Je n'ai pas dit que c'est tous les enfants. Ils surprennent les parents, en fait. Je n'ai pas dit que c'est tous les enfants. Quand vous dites problème pour les parents, bien l'enfant est un problème. Je m'explique par rapport à problème. L'enfant peut devenir problème du moment où on ne s'y attendait pas. Vous voyez? Et les derniers aussi, c'est ça. Vous voyez? C'est-à-dire que dans nos relations amoureuses, au début, tout de suite, on vous dit, vous avez enceinté. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune préparation. Il n'y a pas de préparation psychologique. Vous n'êtes pas prêt pour avoir un enfant. On vous annonce que vous avez un enfant. Vous imaginez? Et vous comprenez un peu? C'est vrai que c'est mon aîné. Tu n'es plus fils aîné. Comment tu fus surpris? Alors poursuivez, monsieur Seuf. Donc, quand c'est une surprise, la grossesse, vous n'êtes pas préparé à ça, vous avez un choc. Donc, pour véritablement aimer cet enfant, il y a des prédispositions qui sont mentales. Vous allez l'aimer, oui, mais il y a toujours quelque chose, quoi. Soit, à un moment donné, vous allez chercher à rattraper ce que vous n'avez pas pu faire au début de cette grossesse, qui va être déviant. Soit, à un moment donné, vous ne l'aimez pas, parce que vous dites, je n'étais pas préparé pour cet enfant. Vous voyez, c'est des dispositions mentales. Alors, quand à un moment donné, le couple est ensemble et quelqu'un dit, je ne veux plus d'enfant. Et quand à un moment donné, un enfant arrive, c'est catastrophe. Vous voyez? Donc, chaque type d'enfant, avec son histoire, on lui attribue un amour. Vous voyez? Et maintenant, quand c'est un enfant que vous, je donne un exemple d'un enfant non désiré. Je prends l'exemple d'un enfant non désiré. Ça veut dire que vous n'avez pas souhaité avoir cet enfant et cet enfant est arrivé. Vous n'êtes pas prédisposé mentalement à l'aimer. Vous allez peut-être être là, présent, physiquement, mais mentalement, vous n'êtes pas présent. Et quand on n'est pas là, présent, mentalement, psychologiquement, l'enfant sait qu'on n'est pas là psychologiquement. C'est pour ça que vous allez voir dans des fratries, entre frères et sœurs, quelqu'un va vous dire, je sais qu'on aime telle personne plus que moi. Quand bien même que on peut aujourd'hui venir avec un cadeau identique à donner à tous les enfants, mais quelqu'un parmi eux va vous dire, moi je sais que je ne suis pas aimé. Il va vous le dire. Quand vous posez ces questions à vos enfants, vous serez étonné de voir qu'il va vous dire que je sais qu'on aime telle personne plus que moi.
Et ça, c'est toujours dans, dans nos familles. Et ça dépend de chaque histoire, ça dépend de chaque enfant avec son histoire. Et c'est en fonction de ça qu'on aime. Si vous êtes enfant unique, c'est encore autre chose. Vous voyez? Donc, on ne peut pas aimer, comme quand, souvent quand j'entends les gens dire « moi j'aime les enfants également », je souris. Parce que chaque enfant a une histoire. Quand vous avez souffert avec votre grossesse, tout seul dans votre cœur, vous n'avez pas les mêmes amours pour celui lorsque vous avez fait, vous avez tous les soutiens. Vous n'avez pas ça. Si vous posez cette question aux mamans, vous allez comprendre ça. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à l'amour. Donc, être un parent suffisamment bon, c'est ce parent-là qui, malgré l'histoire de cet enfant, sait ce qu'il peut donner à son enfant au moment opportun pour que cet enfant ait l'équilibre. On va parler d'équilibre la semaine prochaine, très chers amis, parce que c'est l'équilibre justement, qui cause les problèmes dans l'âge adulte. Voilà. Comment trouver le juste équilibre pour savoir aimer nos enfants? Lorsque j'ai eu Elias, je l'aimais. Quel jus? Je l'aimais, mais j'ai compris, j'ai finalement, voilà le résultat aujourd'hui. On comprend les jus. En fait, le premier est toujours un problème. Et le dernier, non. Je ne veux pas lâcher. Là. Oui, le dernier, je ne veux pas le lâcher. Il y a un problème. Oui. Il y a un problème de surprotection là-bas. Non, est-ce que, non, mais sérieusement, est-ce que j'ai... Non, mais je suis tellement sérieuse. Hein. C'est que je veux... Ça fait un cordon ombilical là, qui se balade. Félix, je ne veux pas le lâcher, quoi. Je ne veux pas qu'il ait une vie, une femme, tout ça dans sa vie. Voilà. Pour l'instant. Félix va devenir l'infirmier. Non, arrête. C'est ça qui cause le syndrome de l'infirmière. Oui, ça dépend de la relation. Non, mais attendez, à supposer que je suis la réelle maman biologique de Félix, à supposer que je suis vraiment la maman biologique de Naïda, de Elias et de Félix, de Semefa, et je les aime, mais Félix, en particulier, j'ai un amour particulier pour lui. Oui. Et je ne veux vraiment pas... je ne veux pas qu'il... pas qu'il se marie pas, pas qu'il ne se marie jamais. Oh. Mais on retrouve des moments comme ça. Hein, ah, qui je suis d'accord, il y a des gens qui s'opposent à se marier. Qui veulent garder le plus longtemps possible cet enfant-là auprès d'eux. 40 ans. Non, Félix, ça ne t'arrivera pas. Alors, est-ce que là, vraiment, bon, il y a un petit problème léger d'amour. Non, c'est pas grave. Je le dis, c'est pas petit problème. Hein. Quand on le voit comme ça, on minimise. C'est sérieux parce que l'enfant n'est pas épanoui. Félix est très épanoui. Oui, épanoui dans le sens où il est épanoui parce que vous êtes présent. Quand la maman n'est pas là, il n'est pas épanoui. Maintenant, imaginez votre absence. C'est en cela que j'avais posé cette question. D'accord. C'est-à-dire que quand vous aimez une personne, ne dites pas que sans moi, il ne doit plus vivre. Votre relation avec l'autre doit lui permettre de vivre sans vous. Au fait, c'est ça le... Donc, dans l'amour, quand on écrit des messages, on dit « bébé, sans toi, je ne te fais pas ». Non, c'est erreur. C'est des atalakou, quoi. Moi, je parle d'atalakou. Parce que sans toi... On voit les messages sur Bacchana, là, vous entendez? Sans toi, moi, je vais vivre. C'est que sans toi, il a faim. Ça devient une possession. Ça devient une possession. Voilà. Comment sans toi, je ne vais pas vivre? Je vivais. Je vivais avant toi. Bon, on va arrêter là. Comment ça? On va. Non, mais c'est dommage que Maudit ne soit pas là aujourd'hui. C'est lui qui a composé une chanson. Sans toi, on ne peut pas. Mais en tout cas, nous nous rendons compte que c'est très complexe, hein, ce dont vous nous parlez ce matin. Ouais. Mais les femmes, quand même, elles veulent aussi entendre ça. Quand son chéri lui dit, sans toi, je ne peux pas vivre. Mais vous vous dites, non, c'est, comment ça sans toi, je ne peux pas vivre. Non, ça va casser l'amour. Ce que je dis, en tout cas, on va revenir. Ça va peut-être choquer les gens. Mais c'est la pure vérité. C'est-à-dire, je sais que l'autre est indispensable pour moi, j'en ai besoin pour moi, mais sans lui, je dois avancer. Il faut qu'on perçoive la vie autrement. Comment sans lui, je ne dois pas vivre? S'il meurt, je donne un exemple, s'il meurt, tu meurs. Je le suis?
Ouais. Mais si on a des enfants, mais il y en a qui le font. Il faut font, quelqu'un pour guider qui, maintenant les enfants. Il y en a qui le font. Bon, c'est, je sais pas si vous comprenez. C'est quand même une manière l'amour erronée. L'amour ne doit pas détruire. Voilà, mais c'est construire. Ça. Mais construire, c'est ça. Merci beaucoup, mais monsieur sans Saf. Sans vous, moi, en tout cas, sans vous, moi, je vivrai. Monsieur Saf, merci infiniment. Merci. S'il vous plaît, merci. Juste en deux phrases, je merci. Vous en prie, en deux phrases. Bonjour le plateau, moi, bonjour. Je suis seule que ma mère a fait chez mon père et j'ai des frères et sœurs là-bas. J'ai connu mon père à l'âge de 17 ans, mais mon papa savait qui je suis, que je suis en vie, pardon. Et depuis notre rencontre, les autres voient que papa m'aime plus qu'eux. Et il ne me laisse plus respirer. Que faire? C'est un rattrapage. Non, mais moi, j'aime les réponses de style. Bien. Non, mais est-ce que le père a raison? Le père cherche aujourd'hui à couvrir le vide qu'il avait créé pendant cet 17 enfant. Ans. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais s'il ne sait pas le faire, et voilà, il va créer cette jalousie qui va encore déchirer la famille. Il n'a qu'à lui donner la place juste. Parce qu'il est présent aujourd'hui, l'enfant a besoin de lui et cette juste place, pas trop. C'est-à-dire, il ne faut pas trop donner quoi. Merci voilà. beaucoup. Quand vous donnez Saf. Trop aussi, l'enfant, lorsqu'il en a de trop, il ne sait pas comment l'utiliser. Ça peut servir à autre chose dont il ne sait même pas ce que ça peut donner. Merci beaucoup, voilà. Monsieur Saf. Merci. En tout cas, on a beaucoup appris. Hein. Donc, pour tous les messages, il ne faut plus dire sans toi, je ne peux pas vivre. Il faut dire que avec ou sans toi, je vais vivre, mais je t'aime quand même. Et nous allons prendre le numéro de téléphone du le numéro de téléphone du psychologue. Mais en fait, le numéro, s'il vous plaît. Et les atalapes. Le 90 83 65 59. 90 83 65 59. 90 83 65 59. Alors, M. Saf ne parle pas puisque vous le retrouverez tout à l'heure, juste après l'expression argotique avec Pépite Beauté. Il va expliquer si psychologiquement le fait d'être un peu bordélique, c'est psychologique ou c'est juste parce qu'on n'a pas envie de travailler. D'accord. Merci. Naïda, après le jingle, nous retrouvons Thomasson. Tu es mon oxygène. Ma rosée matinale. Des phrases. Bon art matin. C'est moi qui ai sorti ça. Poétique lover, hein. Beaucoup de gens protestent contre la phrase fétiche « Sans toi, je ne peux pas vivre ». Bonjour Thomas. Bonjour maman, bonjour le plateau. Comment tu vas? Super bien, je me porte bien. Voilà. Alors avec toi aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle expression et je sais que Naïda et moi, nous sommes calés, donc envoie feu. Expression argotique de ce matin, je profite tout d'abord pour saluer les téléspectatrices, les téléspectateurs, psychologue Benya Ikbogo et on va plateau à dîner, mabana à laï. Donc, on prend maman les niveaux, les concentrer, tourner, bafouner, expression avec toi. Il n'a pas parlé fort. Il les phrases. Non, non, il n'a pas encore donné. Jonna, expression là. Amélan, paille là. Allô les go. This is mama. Paye. Paye. De Mato et. Maman là là yo les kungalo. Voilà. Mais là, dosé. Oui, psychologue à Angé. Psychologue B à la yo Bogo. Oh direct. Non non. Bogo. Enyaï Bogo. Ok. Expression argotique de ce matin. Enyaï Bogo. Oui, elle est flétée, les mamans. Non, d'accord. Elle est flétée, King Boya. Elle est flétée, les mamans. Elle était flétée. Elle était flétée. Expression agotie de ce matin, Alaya, Enyaï Bogola.
Et ça veut dire que ce qu'il dit est vrai. C'est vraiment du vrai. Non, le raisonnement est passé à gauche, c'était pas bon. Oh, le quoi, tu es aussi collègue, il y a gauche. Ah, il y a un peu. À droite, mais il y a un peu. Et bien, il y a un peu. Naïda. Naïda, reprends les cours et révise. Quel cours? D'expression gothique là. Guéro, me met à la yo. Le problème, c'est que même toi, tu ne comprends pas Bobo. Bobo, pour moi, Bobo. Micro. Ça a été direct. C'est ça, quoi. C'est ça. Oui, Bobo. Ah, au 14 février 20. Et bon, donc, à nous, il y a de l'agna, olé, nanya, tisseur via. Et nous, là, quoi? Musique. Déjà, les cibles mélodies. Et Tanya, mais. Naka, aide-nous, s'il te plaît, donne l'explication. Il n'y a pas. Expression argotique de ce matin, c'est Nyaï Kbogo, ce qui veut dire Nyaï fin, quoi. Point final. Un point là-bas. Fin du propos. C'est pas ça. Pas de commentaire. Pas de commentaire. Mais c'est ça, non, bah, ça c'est, donc, hein, c'est parce que ça atteint son but que s'il n'y a pas de commentaire. Donc, on avait pas tort. Non. Vous avez. Félix. Bah. Oui, c'est ça. On n'avait pas tort, en fait. Oui, mais vous étiez presque. C'est comme aller à Cara. C'est comme si on dit « Des viades belles, on me dit c'est le billet. » C'est la fin, en fait. Il faut reconnaître que vous n'avez pas trouvé, c'est tout. C'est pour dire « Oh, belle à la merci, quoi. » Au TV, regarde. Et voilà. Et voilà. Beaucoup. Alors, quelqu'un dit bonjour, Netar, Enyaï Kbogo veut dire il n'y a pas à redire. D'accord, merci beaucoup. Quelqu'un dit bonjour, ça veut dire l'affaire est claire. Cut short. Pas de commentaire, plus de commentaire. Pas de commentaire. Enyaï Kbogo, il va quoi. Enyaï Kbogo, donc, on va là au slam, on va là sans toi, je ne peux plus le vivre, tu es mon âme, attends. Ouais, les dieux, 14 à Gonaï. Voilà. Pour la vie. Il y a un blétisseur. Alors, Enyaï Kbogo pour dire fin de propos, nos comments, c'est bien perçu, bien reçu, il n'y a plus rien d'autre à redire là-dessus. Super. Et Enyaï Kbogo, c'est ce que nous retenons aujourd'hui dans l'expression argotique, chers amis téléspectateurs. Quoique, Daïda et moi, on n'était pas très loin, hein, mais bon. Ouais. Alors, bonjour, bon début, juste demander à Elias son nom d'artiste. C'est ça son nom d'artiste, là? Elias Ataï Kbogo. Ah, c'est ça. Kbogo. En tout cas, merci beaucoup à toi, mon cher Thomas. Merci beaucoup. Enyaï Kbogo, Enyaï Kbogo. 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 C'est un peu comme à bon entendeur. Salut. Parce que normalement, c'est entrer, voilà. Que ça ne, donc, ne s'y améliore pas d'oxygène à matin, 14 février. Bogo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. Et vous pouvez également aller sur la page de Thomas, hein, qui est Thomas. Oui. Datevi Thomas, Thomasen, ou bien Thomasson, l'enfant de l'ancré, voilà. Voilà, pour lui envoyer aussi des suggestions d'expressions argotiques, pourquoi pas. Nous allons cette fois-ci parler de ce sujet-là qui a fait beaucoup de remue-ménage la fois dernière. Plusieurs ont envoyé des photos de chambres, de soi-disant de femmes. Notre ami qui avait envoyé les photos la fois dernière avec sa femme qui avait mis la salade et les choses un peu partout est également connecté présentement. Et nous allons parler du désordre féminin dans les chambres. Et quelqu'un a dit, souvent on voit les femmes, elles sont super bien habillées, sapées quand tu vas chez elles. C'est pas bon à voir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Sandy est là, elle se fera la voix qui va défendre les femmes aujourd'hui. Au contraire, tu vas nous enfoncer. Wow. Et puis le psychologue, ça va pouvoir expliquer si d'une manière ou d'une autre, c'est un problème psychologique ou pas. Nous allons maintenant aller dans Pépite Beauté et ce sera bien sûr après le jingle. «
retour et vous voyez le désordre. J'appelle ma fille Fafa et elle n'entend rien absolument. Merci d'apporter de l'eau chaude à ta mère, s'il te plaît. C'est une enfant, je l'ai eu en deuxième. Non, deuxième. En fait, on se met à Domlin. Comme vous voyez, Félix Bava. Abraham Baklo, Félix Do. Non. Non, mais comme on le disait la dernière fois, on avait parlé un peu du désordre, mais aujourd'hui nous sommes avec la gente féminine. Et je disais que le désordre, des fois, c'était c'est sciemment chez certains. Il y en a qui le font sciemment, il y en a qui le font par négligence, et il y en a qui le font juste comme ça. Donc, avec l'apport du psy, on va comprendre mieux. Mais déjà par rapport au désordre, la dernière fois, il y a eu tellement, tellement de retours par rapport au désordre. J'avais pris 3 cas. Il y a ces femmes qui sont très jolies, mais quand vous rentrez dans la chambre vous chasse. Et beaucoup d'hommes ont confirmé, oui. Vous allez voir de très belles femmes, mais à l'intérieur, c'est pas ça. Et je disais, pour votre bien-être, il faut que l'intérieur aussi soit propre. Mais moi, je dis souvent, il faut commencer par arranger sa chambre, sa cour, sa maison et sa devanture. Le tout permet de prôner la saleté et la propreté plus tôt. Mais la plupart des temps, on est là à dire le gouvernement fait ci, le gouvernement ne fait pas ci, ne fait pas ça. Commençons par nos chambres. Vous allez soulever le lit de certaines, je leur ai dit. Vous allez trouver des slips de menstrues. Non, disons la vérité. Vous allez rentrer chez d'autres, c'est des plats utilisés, entassés, avec plein de moisissures. Vous allez rentrer chez d'autres encore, tout est mélangé. Oui, il y a des niveaux. Vous allez rentrer chez certains. C'est des levels. Oui, vous allez rentrer chez certains. Ça, par exemple, c'est. Vous allez rentrer chez certains. Il n'y a pas encore à il n'y a même pas de place pour poser la tête. Ah! Vous allez rentrer. Il y a un embouteillage dans la chambre. Oui, et ça peut aussi agir sur l'insomnie. C'est-à-dire sur votre sommeil. Une chambre très en désordre, vous n'avez pas le sommeil. Là-bas, il n'y a pas de place. Et il y en a même, les serviettes, n'en parlons pas. C'est-à-dire, il y a des cas. Et imaginez une personne qui rassemble tous ces cas. Comment sera cette personne? C'est qu'elle ne sait pas où ranger les choses. Il n'y a pas d'espace. Oui, vous allez trouver aussi certaines aussi qui sont bien calées dans le désordre à tel point que c'est quand on cherche une chaussure qu'on commence par chercher l'autre ailleurs. C'est-à-dire, les chaussures sont pêle-mêle. Les chaussettes. En fait, en général, pour la jambe féminine, c'est encore trop grave, quoi. Pour les garçons, des fois, on peut tolérer. Mais moi, je pense que le tout dépend aussi de l'éducation aussi. Il y a l'éducation aussi. Nous, on entretient nos chaussettes et tout. C'est que tu leur comptes pas. Quand nous prenons l'ordre, je ne sais pas s'il faut dire que c'est aussi une manière de s'éduquer. Parce qu'il y en a qui vous diront environnement, qui est même tôt, les animés, ni on est. Non. Il y en a qui vous diront ça. Et c'est un peu grave. Parce que des fois, si vous êtes désordonné et que vous l'êtes aussi psychologiquement, tout ce que vous faites est en désordre. Bien. Alors, nous parlons de ce sujet qui est vraiment important, l'ordre, le désordre. Aujourd'hui, on est beaucoup plus vers le désordre féminin. Et comme le dit Sandy, on retrouve vraiment des choses pas très, très jolies dans les chambres des femmes, des jeunes femmes. Et justement, j'avais eu des commentaires par message où quelqu'un disait « Nous sommes sortis d'une famille un peu et nous tous, on vivait pratiquement ensemble. Les parents étaient dans une chambre et puis nous tous, on était également dans une chambre. Elles sont 2 filles, 4 garçons. Donc, les moyens ne permettaient pas vraiment qu'il y ait peut-être chacun sa chambre ou bien voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient rangées dans leur chambre. Elle dit que leur maman faisait du bout au coin. Donc, même les ustensiles, tout ça, c'était dans leur chambre. Il y avait les affaires des filles et il y avait également, tout était vraiment mélangé. Et que venue en couple, elle dit qu'elle est en fiançailles, c'est difficile pour elle de... Pour elle, quand tout est mélangé, c'est pas encore très grave parce qu'elle a toujours vu ça comme ça, en fait. Donc, Monsieur Saf, on en parle ce matin, le désordre.
tant masculin que féminin. Problème psychologique ou juste paresse? Merci pour la question d'abord. Il y a eu des questions dans mon inbox. Comme ça, c'est maintenant que je me rends compte que c'est, ça avait fait débat. Les gens m'ont posé des questions comme ça. Est-ce que des ordres liés à la psychologie... Bon, voilà, donc je comprends. Tout est lié au mental. D'abord, il faut comprendre comme ça. Votre éducation permet d'avoir un mental, une psychologie. Et quand vous adoptez un certain nombre de comportements, c'est toujours lié à la façon dont vous pensez. Quelqu'un qui, dans sa chambre, est en désordre, ne veut pas dire forcément que dans sa tête, il y a le désordre, ou bien il est désordonné. Non, on ne le voit pas comme ça. Mais c'est parce que il ne le voit pas comme une priorité dans sa tête. Ouais, pour lui, ce n'est pas une priorité. Pour lui, ça ne dit rien. C'est comme ça qu'il le perçoit. Maintenant, et si je donne l'exemple de... Je prends l'exemple de cette dame qui dit « On a vécu ensemble, tout est en désordre. » Je pensais qu'aujourd'hui, il vit seul. Parce qu'il est marié, il vit avec son mari. Donc, la répercussion du fait de vivre ensemble entre-temps ne devait pas être continuelle aujourd'hui où tu vis seul. C'est-à-dire qu'il devait normalement couper cette influence de vivre ensemble et qu'aujourd'hui vous vivez seul. Ce qu'il faut connaître, quand on vit, il faut faire des casiers dans sa tête. L'homme doit être comme ça. Quand on vit, il faut faire des casiers. Des casiers dans sa tête. Il faut être organisé dans la tête. Et quand vous avez des casiers dans la tête, vous avez des casiers dans votre chambre. C'est-à-dire, vous savez que c'est à tel niveau que je peux retrouver tel élément. Vous devez savoir que si je cherche telle chose, ça devait se positionner à tel niveau. Automatiquement, quand vous rentrez dans votre chambre, vous devez savoir que ce que je cherche doit me diriger vers là. Ça veut dire que vous devez classer vos trucs en fonction de leur utilité ou je ne sais pas comment. Je cherche par exemple mes cravates. Je ne devais pas normalement aller dans les slips. Ou sous le lit. Voilà. Je ne sais pas si je vois. Eh bien, est-ce qu'on peut rappeler aux psychologues qu'on parle plus des femmes aujourd'hui? Non. Donc, je cherche mes produits de beauté, je vais aller chez les femmes. Je cherche mes produits de beauté, mes maquillages. Je ne devais pas aller dans mes pannes. Ça c'est encore joli. Vous voyez? Donc, c'est à nous d'organiser ça. Maintenant, par rapport à ceux qui, dehors, sont très bien habillés, très jolis, mais dans leur chambre, il y a problème. Ces gens sont plus dans l'exhibition que dans le vrai. Le vrai, c'est ce qui est dans leur chambre. Ah! Vous voyez, les hommes, allez visiter la chambre des femmes. Mais est-ce le que vrai, ça veut dire que la personne va sortir sale? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Oui. J'ai dit, on sort pour être attiré. Ce qu'on porte, c'est pour faire plaire aux gens. C'est pour être admiré, c'est pour être bien vu. Oui. Ou bien. Oui. Et donc, quand vous êtes bien habillé, vous êtes bien. Vous attirez bien les gens, vous séduisez les gens, ça veut dire que les gens vont chercher à visiter chez vous. Je ne sais pas si vous voyez un peu le lien. Elle dit que la façon dont vous êtes habillé, les gens vont percevoir. Oui. Que, donc, ça veut dire que. Chez vous, à l'intérieur, ce serait bien. Voilà. Un exemple. Voilà. Oui, en fait, voilà. Vous reflétez vous ce qui est chez vous. Voilà. Fait. Maintenant, vous imaginez celui qui a déjà cette idée, perception de vous, il rentre chez vous et il trouve que chez lui, c'est mieux. Ça vous diminue, en fait. Ça vous diminue. C'est ça, je parle de l'exhibition. On veut faire plaire aux gens, dehors que chez soi. Quand vous êtes dans le désordre, vous êtes étouffé.
Oui. Ça, il faut, quand vous êtes dans le désordre, vous êtes étouffé. Vous perdez plus de temps à chercher les choses. Vous énervez très vite sans le savoir, c'est psychologique. Vous avez un environnement polluant parce qu'il y a des choses qu'il faut vider dans sa chambre. L'autre fois, je parlais de l'exhibition de la dépendance et de la conservation. Il y a des choses qu'il faut vider dans sa chambre. C'est-à-dire, si ce n'est plus utile, sortez ça. Vous voyez ? Si c'est affectif. Elle revient. Sortez ça. Voilà. Elle revient. Voilà. Non, voilà. Monsieur Sav, j'aimerais parler de quelque chose. Oui. Quand on prend quelqu'un qui, par exemple, est dans un domaine où il doit s'habiller, c'est une personne qui a beaucoup de vêtements, par exemple. Oui. Est-ce qu'on doit arriver au point où tu sais que tu dois porter? Tu vous voulez parler des journalistes? Voilà, journalistes, ouais, les artistes. Qui doivent s'habiller. Les artistes aussi s'habillent. Chaque... tellement de vêtements. Tu ne vas pas te mettre à tout vider comme ça. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que, voilà, voilà, ce que vous voyez que ce n'est plus utile, sortez ça. C'est-à-dire, nous avons souvent cette façon de voir les choses. Il y a des choses comme Madame Aïcha l'a dit, dont nous sommes très, très attachés, quoi. On ne veut pas s'en débarrasser parce que si ça sert, on ne veut pas faire sortir. Voilà. Je ne veux pas utiliser le mot, mais ayez l'équilibre affectif. C'est-à-dire, souffrez à s'en débarrasser. Ça vous fait grandir. Affectivement, ça vous fait grandir. C'est-à-dire que et tout ça là est question de relation que vous avez créée avec l'objet. Avec l'habit. C'est un objet d'attachement. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on aime porter souvent. Mais à un moment donné, il faut s'en débarrasser et récupérer d'autres. Parce que je vais peut-être sortir un peu de cadre psychologique pour aller dans la parapsychologie en vous disant que dans votre vie, si vous voulez que des nouvelles choses arrivent, il faut s'en débarrasser des anciennes choses. Mm-hmm. Sinon, les nouvelles choses ne viendront pas. Mm-hmm. Ça, c'est les lois de la nature. Ça, c'est la parapsychologie. Vous avez des habits de 2000, de 2005, de 2010, quand même pas jusque-là. De 2015. Des habits que vous ne pouvez plus utiliser. Des choses que vous n'avez plus à... Des chaussures, je vous dis. Un habit particulièrement... Ça peut être un habit particulièrement, oui. Oui. Ça peut être un habit particulièrement que peut-être vous... Quelqu'un vous a offert. Oui. Et c'est une personne qui peut-être même n'est plus en vie aujourd'hui. Oui. Et les circonstances que vous avez vécues, c'est-à-dire que c'est la dernière chose que la personne vous a donnée. Je suis d'accord. C'est pas que vous amassez plein de vieilleries. Oui. Comment je parle de certaines choses qu'on garde, c'est il y a des choses. Ça, c'est des cas exceptionnels. Voilà. Ce n'est pas beaucoup. Oui. Je connais des gens. Moi, je connais des gens. Qui va garder même habit de 2000 pour, on est 21 ans plus tard. Oui. Arrête. 22. Je connais des gens qui ont ça. Et ils ne veulent pas s'en débarrasser. Je connais des gens, par affection ? Oui, je connais des gens qui ont des... Je donne un exemple. Des CD qui ne sont plus utilisables, qui sont entassés comme ça. Et à chaque fois, ils sortent et disent « Ah, c'est Kofi Olomide dans les temps ». Ça, c'est... Oui, mais oui, est-ce que vous savez quand même que ça, c'est sous d'autres cieux, c'est de l'argent, hein? Il y a vraiment des collectionneurs, tu peux revendre et te faire de l'argent. Ça, c'est des collections. Je suis d'accord qu'on soit collectionneur. Si on est collectionneur, ça veut dire qu'on a de la place pour ses collections. Pas combien les collections. Non, mais on peut avoir la fibre du collectionneur et malheureusement, la vie fait qu'on n'a pas de place. On va parfois dans certaines maisons familiales où, attendez, nous sommes une certaine génération. Moi, je suis pour le fait d'avoir une bonne culture générale, excusez-moi. Oui. Et on va dans certaines maisons de certains de nos parents, c'est là où on découvre ce que c'est qu'un vinyle, par exemple. Oui. C'est bien pour la culture générale. Si la personne à ce niveau-là décide de garder ça, c'est pas encore un problème, monsieur Sade. Je ne refuse pas. Ce qu'on dit en tant que collectionneur, avoir des objets d'art, certains trucs qu'on peut garder comme souvenir, je ne refuse pas. Mais vous avez des valises. Et des trucs que
en tout cas, moi, c'est ma perception, hein, qui ne sont plus utiles, mais qui peuvent servir quelqu'un. Oui. Quelqu'un d'autre à votre côté qui peut le servir. Je ne parle pas forcément des objets d'art, des trucs qui reflètent notre culture et autres. Vous avez par exemple des chaussures, je donne un exemple, que vous avez acheté, que vous n'utilisez plus. En 2000, il y avait les pattes d'EF. C'est parti jusqu'à 2021, là. C'est voilà. Revenu. Au lieu d'aller dépenser l'argent pour acheter, tu vas sur site tes pattes d'EF de 2000. Maintenant, ces chaussures... Quand bien même que vous ne l'utilisez plus, parce que si on n'utilise plus des chaussures après 5 ans, ça on ne peut plus l'utiliser. Maintenant, ces chaussures sont gardées, entassées et restées là-bas. Parce qu'on ne veut pas s'en débarrasser. Pourquoi ne pas les sortir, les vider, donner à certaines personnes qui souhaiteraient peut-être l'utiliser d'une manière ou d'une autre, et maintenant et aller chercher d'autres et mettre à la place. Parce que c'est des trucs qu'il faut renouveler dans le temps. Mmh. Il y a des choses qu'on ne peut pas renouveler, je suis d'accord, qu'on les garde. Mais il y a des choses qu'on doit forcément renouveler. Maintenant, si des gens ne s'en débarrassent pas, comment est-ce qu'ils vont pouvoir avoir ? Je donne un exemple. Si je prends par exemple les Blancs qui ne s'en débarrassent jamais de ce qu'ils ont comme vieillerie, vous aurez les ports autonomes qui vont fonctionner ? Alors, on a bonjour le plateau. C'est vrai ce que Sandy dit. J'ai mis fin à une relation amicale juste parce que ma camarade laisse ses couches partout et les slips par terre. Merci. D'accord. Merci. Bonjour le plateau. Vraiment, d'autres femmes sont des championnes en ce désordre, quoi. Nous sommes allés chez une autorité pour l'entretien, mais pas possible. Dans leur toilette et salle de bain là-haut, là, 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 là. Même dans la chambre de la dame. Bonne journée. Merci beaucoup pour votre apport. On a mon oncle Mola qui dit j'ai des disques 45 tours et 33 tours que j'ai achetés depuis 45 ans. Oui. Voilà. Nous, ce sont des choses qu'on aimerait bien voir et connaître. Oui. Alors bonjour, pour les CD, c'est important de les garder pour des histoires à raconter à nos enfants demain. C'est un autre message. Oui. On a bonjour à vous tous. Bonjour. Vraiment, nos psychologues est vraiment philosophique. Il faut être dur mentalement avant de le suivre. Équilibre affectif. D'accord. Merci beaucoup. On a bonjour à vous le plateau. Je ne pensais pas trouver sujet aussi important et intéressant ce matin. Tcho, ma voisine ma voisine musique, piano. Jette ses couches sur notre toit. Et ça tombe, et mon bébé qui va à quatre pattes a pris ça là. Monsieur Saf, on est en direct, je vous en prie. On est à l'écran. Ah, mais oui, c'est ça. Non, il ne faut pas dire de gros mots non plus. Ah non, c'est pas de gros mots. C'est un gros mot. Et parlez, je vous en prie, parce qu'elle adore vous suivre, j'entends même votre voix dans sa chambre présentement. Ah, merci oui. beaucoup, merci, ah, merci, oui. merci. Ah mais c'est ça. On en parlait, mais... Ah mais c'est ça. Mais ça, s'il plaît, quoi. Non, c'est sérieux. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans des maisons, hein? Dans des chambres, dans des toilettes. Je veux poser une question parce que j'allais poser la question là et quelqu'un a envoyé le message. Bonjour, le plateau. Bonjour. Moi, je ne suis pas d'accord avec Madame Sandra lorsqu'elle dit que lorsqu'on est désordonné dans la chambre, cela agit sur tout et on est désordonné partout. Moi, par exemple, je suis ordonné dans mon désordre. Je pense que chacun a son habitude. Vous avez des gens comme ça, quand vous rangez, ils sont perdus. Je suis d'accord. Oui. Pourquoi? Ils sont créatifs. Oui, quand ils... Vous trouvez que c'est désordonné? Il est dans son désordre, je suis d'accord, mais il sait où il a telle chose. Même s'il y a l'obscurité, la personne peut retrouver. C'est pas rangé. Oui, mais pour vous, toi qui viens, rangé. Oui, mais oui. Là, nous parlons de quoi? Nous parlons de l'ordre, n'est-ce pas? Moi, j'ai connu un professeur d'université chez qui je vais pour mes recherches. Quand vous rentrez chez lui, vous avez des livres qui sont par terre. Il saute les livres pour aller chez lui. Mais tout de suite, si vous dites, professeur, je peux trouver, il dit, c'est là-bas. Tu vas, tu trouves. Tu trouves. Ouais. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas de l'ordre dans ce qu'il a mis. C'est par terre, oui, mais c'est classé. Donc, si, est-ce que l'ordre... C'est différent de ce qu'on dit ici. Et la question que je veux poser, s'il vous plaît, en fait, est-ce que donc
il y a une différence ou il y a une nuance entre le désordre et la propreté. Voilà. Parce que nous parlons propreté avec toi dans Pépite Beauté, la propreté surtout de la gent féminine qui est liée au bien-être. Mais comme nous le disons, donc il y a des personnes, nous, dans notre façon d'appréhender leur chambre, leur vie, nous trouvons qu'ils sont désordonnés. Elles sont désordonnées, ces personnes. Mais par contre, elles savent exactement l'emplacement de chaque objet. Voilà. Y a-t-il une nuance entre le désordre et la propreté? En fait, ce que moi je perçois par rapport à la question du téléspectateur, c'est que il faut pas confondre l'emplacement des choses et la disposition des choses. Je peux tout de suite, dans ma chambre, moi, je fais des recherches. Quand vous rentrez chez moi, vous avez des documents par terre, vous avez des trucs. Vous êtes désordonné. Oui. Non, c'est pas du désordre. C'est pas du désordre vous parce que. Vous êtes ordonné dans votre désordre. Je suis pas désordonné parce que quand je veux tout de suite un document, je sais où je vais tirer ce document. J'écris, je laisse ici, mais c'est ce que j'ai écrit là-bas. Vous pouvez voir sur le mur des trucs que j'ai peut-être collés, mais je sais ce que j'ai collé ici, et voilà, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que je suis désordonné. Ça dépend de l'emplacement ou de la position de mes choses. Du moment où vous êtes désordonné, du moment où vous-même vous cherchez des choses, vous ne trouvez pas. Vous êtes dans votre chambre, vous voulez prendre quelque chose, vous prenez 30 minutes, une heure de temps à chercher la chose, vous n'avez pas idée de où vous avez déposé cela. Ça, c'est le désordre. Parce que vous ne pouvez pas prendre une heure, 30 minutes pour chercher quelque chose dans votre chambre. Vous n'avez aucune idée de où vous avez laissé. C'est ce qu'on veut dire. Mais poser des choses en tas quelque part où c'est ordonné, quand vous rentrez, vous trouvez votre chose, ce n'est pas encore du désordre. Maintenant, quelqu'un qui rentre chez vous, en voyant les choses dans peut penser que c'est mal organisé. À vue d'œil, ce n'est pas joli à observer. Mais du moment où vous êtes capable d'aller prendre vos trucs et être dans le temps, et que vous-même vous soyez à l'aise dans ce que vous avez positionné, c'est pas eu des autres. Mais c'est quand ça vous étouffe, vous n'avez plus d'espace de vie, comme ce qu'on a montré là, sur le lit. En tout cas, sur le lit, il ne doit pas avoir des assiettes. Claire. Voilà, il y a de la place pour les assiettes, même si c'est une pièce, hein, il y a de la place pour les assiettes, il y a de la place pour la serviette, il y a de la place pour tout. Mais quand on vient voir la serviette mélangée aux assiettes, c'est un problème. Alors on va terminer, on a ce message pour toi qui dit bonjour à vous tous sur le plateau. S'il te plaît, Sandy, reviens avec le psychologue, on va encore en parler. J'ai l'impression que je suis maudit. Mon ancienne petite amie porte le slip, elle ne l'a pas, elle retourne l'autre face pour porter. Ma soeur aussi le fait. Attention. C'est la créativité. Et la nouvelle avec laquelle je suis, elle porte, elle ne lave pas, elle porte, elle vient prendre pour moi. Bon. Non, c'est... Mais les femmes, je vous en prie, il ne faut pas nous faire ce genre de... Il y a des choses... Non, Aïcha, tu sais, pourquoi ce sujet? J'ai eu une consultation la dernière fois. J'ai eu quelqu'un en consultation. Et durant les échanges, il y a eu un problème lié à son bien-être. C'est ça qui a suscité le truc en moi. Parce que beaucoup ne pensent pas que le désordre peut avoir des effets néfastes sur le bien-être. Oui. Psychologiquement, physiquement, tout. Ça a des effets. Oui. Pourquoi on devient nerveux, nerveuse? Pourquoi toi-même, tu commences pas à chercher ton truc dans ta chambre pendant des heures? Merci beaucoup, Sandy. On va revenir dessus la semaine prochaine. Vos témoignages sont vraiment nombreux, on ne pourra pas tous les lire. Bonjour, Neita, meilleurs voeux à tous. Je suis très ravie d'être parmi vos auditeurs ce matin. Après une longue durée d'absence, c'est Yannick Assani depuis la RDC, ville de Matadi, province du Congo central. Merci infiniment. Oh, il y en a beaucoup, on ne pourra pas, mais on va sélectionner. Pour celui qui tourne les slips-là. Non, mais c'est ça. Après, il tourne. Non, mais c'est ça. Non, comment après il tourne? Non, mais c'est ça. Je voudrais savoir, bon, quand il tourne, le troisième jour, il tourne.
Non, mais... Non, alors... je veux juste savoir, quoi. L'auditeur n'a qu'à réécrire par rapport à ça. Et on va débattre après, quoi. Ah bon? Je voudrais savoir combien de fois il peut tourner. Ça, il veut donner un conseil psychologique. Ouais, non, c'est sûr, non. Alors, 90, 27, 92, 0, 0. Ne m'appelez pas pour me dire. 90, 27, 92. Tu as lancé. Il faut assumer les conséquences. 90, 27, 92, 0, 0. C'est le numéro de Sandra. Nouvelle référence sur lequel vous pouvez l'appeler et poser toutes vos questions. Le 90, 27, 92, 0, 0. Et on va rappeler encore une fois le numéro de Monsieur Saf. Ouais, on va juste rappeler le numéro. Je suis sérieux. Le numéro. 90, 83, 65, 59. Voilà, 90, 83, 65. 59. Merci beaucoup. Pour notre ami de la RDC, restez scotché. On va vous redanser le matondi tout à l'heure. Voilà, la danse d'Elias a plu. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir des journalistes, experts de... Je ne sais pas s'ils sont experts de la santé en tout cas, qui sont avec nous aujourd'hui. Avec eux, ils vont nous parler d'un problème de santé très important. On en a tous souffert à un moment ou à un autre. Juste après le jingle, nous la recevons. Bonjour madame, bonjour monsieur. Et ouais. Bonjour le plateau, vous savez, moi j'arrive pas à vivre dans le désordre comme ça. il faut avoir débarrasser le plaisir de pouvoir arranger un peu la chambre. Quand vous réveillez, balayez du moins. Voilà. Donc pour toi, là, c'est pas balayé. Ne confondez pas le désordre et puis le la propreté. On va se voir à la fin. Bien, alors présentation, messieurs. Ah ouais, comme on se le dit tout le temps, aujourd'hui, on est encore dans l'affairage. Affairage, ouais. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Est-ce que tu l'as vu? Je l'ai vraiment vu. Ok. Bon, il faut nous affairer. Ok. Ce matin, on va parler, on va être un peu plus sérieux. On va parler un peu de la santé, de quelque chose qui nous arrive souvent à tous et une maladie qui nous a déjà une fois prise, que ce soit ministre, président, pape et tout ça là. Je veux bien parler de la diarrhée, en fait. Hey. Ah bon? Non, mais c'est intéressant. Ça t'est déjà arrivé, ça? Non, pourquoi? Non, mais Aïcha, c'est quand la dernière fois? En fait, la diarrhée, il ne faut pas avoir honte de dire que c'est la diarrhée, parce que au-delà de tout, la diarrhée, c'est une maladie. C'est une maladie que l'on contracte par la mauvaise alimentation. Ou bien quand tu ne dissipes pas bien ce que tu as mangé. Ouais, un désordre alimentaire. Désordre alimentaire. Voilà. Donc, la diarrhée est causée par un désordre alimentaire. C'est ça. Donc vous voyez, quand vous ne mettez pas de l'ordre dans votre ventre, à un moment, vous allez voir que c'est l'ordre que vous n'avez pas mis dans le ventre qui commence par mettre le désordre. Ouais. Et là, en fait, quand vous ne mettez pas de l'ordre dans votre ventre commence à mettre de l'ordre. Et là, quand ça arrive, c'est plus la seule direction que vous pouvez reconnaître, même dans l'obscurité. Tout le monde le connaît. Mais bon, comme aujourd'hui, on est là, et puis bon, on a choisi de parler de ce sujet très important. Quand même, c'est quand même important qu'on puisse faire venir quelqu'un. Voilà. Et je sais pas, c'est lui qui l'a fait venir ici. Ouais, je suis béat d'admiration.
face à cet homme parce que c'est pas n'importe qui, c'est un diarologue. Un diarologue. Oui, bien sûr. Un spécialiste de la diarrhée. De la diarrhée, voilà. Tout ce qui est désordre alimentaire, c'est sa chose. Lui-même, il connaît tellement ça que lui-même, ça ne peut jamais lui arriver. D'accord. Mais il aide les gens qui ont ça à s'en débarrasser. Voilà, tout ce qu'il sait sur le sujet, il va nous le dire. Donc, je vous demande d'accueillir. Parce que son nom même ressemble à la matière, à la diarrhée. Donc, recevez un pétre. Modeste, un pétre, le docteur. Ouais, voilà. Le docteur. Non, vous avez champ libre, mon cher docteur. Prenez le micro, docteur. Je suis un peu allergique au désordre. Donc, excusez. Bonjour, excusez-moi. Docteur. Bonjour, le plateau. Bonjour, Aïcha. J'avoue que j'ai toujours rêvé de passer dans votre émission. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de passer pour parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur. Au fait, comme il a dit, tout le monde a eu une fois à être victime de ce sujet. Mais je veux corriger juste quelque chose. Vous avez parlé de la diarrhée. On ne dit pas la diarrhée. Bon, en termes populaires, comme vous pouvez dire la diarrhée, on dit crise anticipée du rectum. Parce que oui, en fait, c'est le niveau, vous allez m'excuser. Quand vous dites la diarrhée, déjà, ça peut traumatiser, au fait. Voilà, il y en a. Parce que c'est une maladie un peu psychologique. Si tu as eu à vivre vraiment une situation qui t'a marqué pour toujours, dès qu'on dit dia, avant qu'on arrive à gré, tu commences à t'interroger à l'intérieur, au fait. Donc, ne dites plus diarrhée. Bon, c'est vrai, hein, vous, le commet de mortel, je vous comprends. Mais pour nous, les spécialistes dans les laboratoires, on dit, bon, je suis en train d'étudier un échantillon d'une crise anticipée du rectum. Ouais. Au fait, la diarrhée, c'est un peu comme une relation amoureuse, au fait. Oui, je fais ça terre à terre pour que vous puissiez comprendre. C'est comme une relation amoureuse. Dès le début, pour un homme, c'est-à-dire que tu es calme, tu es sérieux. C'est-à-dire que quand ça te prend, tu es calme, tu es sérieux, tu n'as pas, au fait, le choix. Et tu acceptes tout, au fait. Parce que tes options sont limitées. Pour ne pas dire que tu n'as qu'une seule option. Donc, tu fais le oui maman, c'est-à-dire que tout ce qu'on dit, tu fais le oui maman, c'est pas pour t'en débarrasser, mais c'est que tu es là, mais tu n'es pas là. C'est ça qui explique des fois une sueur que tu ne comprends pas, tu n'as fait aucun travail, mais tu te mets à transpirer, l'organisme anticipe par certaines enzymes, vous allez m'excuser, c'est un peu délicat, ne riez pas, par certaines enzymes qui font que c'est, tu regardes bleu, mais tu vois blanc. Parce qu'à l'instant T, tu as envie de... tel que je l'ai dit, et puis c'est un peu comme la connexion Wi-Fi. Plus tu t'approches des toilettes, plus le débit est élevé. Donc, c'est non, ne riez pas, au fait. Ne riez pas. On rit pas. Donc, voilà, ainsi planter le décor. Mais je crois que ceux qui m'ont invité... Docteur, merci pour votre expertise, ça fait plaisir. Ce qui est important aussi, c'est que nous sommes un peu rentrés un peu dans la vie d'une personne. C'est une caméra cachée, nous avons capté quelques images. Une personne vraiment inexpérimentée dans le domaine qui a attrapé la diarrhée, on ne sait pas comment, mais on va quand même montrer ces images-là pour voir comment les gens sont des amateurs devant la diarrhée. C'est pas bien. Donc, vous allez nous excuser si on a volé ces images à cette personne-là. Non, mais... c'est pour le bien de la nation. Ah. En fait, si la personne se voit à la télé, peut-être dans une situation de diarrhée, elle n'a pas à se fâcher parce qu'une caméra cachée, c'est aussi fait pour montrer le côté chaud de la... Donc, il ne faut pas que la personne se fâche. Il n'y a rien d'extraordinaire. D'accord. Et bon, ok, donc, si vous êtes prêts, donc, allons-y. Les images.
Et voilà. Non, attendez, docteur. Non, on a dit on va faire un truc. Non, docteur. Non, je suis pas. Je ne suis même pas docteur. Je suis un P3. Non. Moi, je l'ai dit. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas docteur. J'ai dit docteur. Non. On a dit caméra cachée. Allez à Dapa, on filmait les gens là-bas. Vous êtes venir filmer, nous filmer à l'OMS. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Dans une émission comme. Wesh. Vos toilettes. C'est fermé. Docteur, excusez-nous pour ce qui est arrivé. C'est les aléas du direct. C'est la preuve du désordre ventral. Docteur, ça va aller quand même. Docteur. Rectum. Docteur. Docteur. Diarrhée. Non, vous avez dit quoi? Anticiper de. Non, diarrhée. La déception. En tout cas, chers amis, vous avez donc eu le sujet santé du jour. Nous avons compris une chose, c'est comme le Wi-Fi, hein, plus vous vous approchez. On dirait que... Ils ont tué mon Elias pour moi. Non mais c'est vrai. Quand tu as même envie d'aller faire pipi, tu te rapproches. C'est l'expérience qui parle. Non mais attendez. Non, sérieusement, Elias. Mais non, est-ce que ça... C'est un syndrome, hein, ça. Ouais, je suis content des témoignages. Même derrière les caméras, les gens sont en train de dire oui, c'est vrai. Si tu te rapproches de la maison, ça, non. Oui. C'est un syndrome, c'est psychologique. Oui, surtout les filles. Quand vous arrivez aussi à la maison, parce que le pipi, tu l'as retenu depuis longtemps. Tu arrives à la maison, vous vous enlevez les choses comme ça. Au moment où tu enlèves, là, on dirait que le pipi aussi sait que tu es arrivé. Là, il doit sortir. Et puis, en tout quand cas... vous allez vous asseoir aux toilettes, vous savez. Chut. Oh, quelle femme faire. On dirait que... En tout cas, ce sont nos amis du débat du rire que vous retrouvez sous un autre angle encore une fois aujourd'hui. C'est un plaisir encore et toujours de les avoir. Ah bon? On va faire vite parce que le docteur n'est pas en forme. Docteur, ça va? Il faut couper. Alors rapidement, numéro de téléphone, s'il vous plaît. Le numéro de téléphone, c'est le 90 34 99 67. Donc, si vous voulez des caméras cachées aussi, c'est vous à la maison. Il n'y a pas de souci, vous pouvez nous contacter. Nous, on se promène partout, en fait. Et on va bientôt retrouver le débat du rire, n'est-ce pas? Oui. Le débat du rire, c'est pour très bientôt, mais avant ça, il y a le Comedy Club qui démarre déjà à partir du mois de février. Ce serait chaque dernier vendredi du mois de février, en fait. C'est une crise. Non, pour toi, tu n'as que des mois de février dans l'année, quoi. Et donc, dernier vendredi du mois. Dernier vendredi du mois. Du toi aussi. Voilà. Et comme toujours, venez assister au spectacle du débat du rire. Ce sont des spectacles que vous ne raterez absolument pas. Vous avez demandé, eh bien, on va vous ramener le clip du jour, le clip que nous avons eu ce matin. Et le docteur, le seul qui est là, va vous faire une démonstration de danse. C'est parti avec Matondi de Anne Kepps. La situation actuelle. Sans diarrhée. Docteur. Docteur. Yeah. Il se prépare quoi? Et je prends Wado là. De la diarrhée.
Amelka Kouadan qui était avec nous ce matin. Merci à toute l'équipe, Abraham, M. Simon, à Bachana et à tout le reste de la famille. Quant au docteur qui nous a fait la démonstration de la danse diarrhéique et à nos deux journalistes santé, merci aussi d'être restés avec nous. Passez un très très beau week-end en compagnie des autres programmes de la télévision togolaise. On se retrouve lundi. Merci. Bye bye. Et bon après-midi. Oh.